Bonjour à tous. Je vais reprendre les solutions des exercices des travaux dirigés depuis le début. Aujourd'hui, nous allons donner les solutions des exercices 1 et 2 de la série de TD numéro 1, correspondant évidemment au module d'analyse fonctionnelle pour la licence mathématiques. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je commence à donner les solutions des exercices de travaux dirigés. Je vais faire aujourd'hui l'exercice numéro 1. Nous avons ici l'ensemble E des applications continues de 0, 1 vers R, que l'on peut munir de la norme l'infini, qui est le stup de f de x en valeur absolue, lorsque x décrit l'intervalle 0, 1. Alors, on nous demande dans cette question de montrer que E muni de cette norme est un espace de Banach. Nous allons voir la solution tout de suite. Elle repose sur le cours des séries de fonctions que vous avez vues en deuxième année de faculté, du moins pour, je parle, les étudiants de notre faculté des sciences, module S3. Alors, si je prends une suite de fonctions dont E, qui est de Cauchy pour cette norme, l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est de Cauchy pour la norme de du sup. Et ça veut dire qu'elle vérifie le critère de Cauchy uniforme, comme vous l'avez fait en S3. La suite de fonctions continue, elle est continue d'après l'hypothèse, parce que E est l'ensemble des applications continues, des fonctions continues de 0 à 1 vers R, vérifie le critère de Cauchy uniforme sur l'intervalle 0, 1, et d'après le cours donc, que j'ai cité, nous savons qu'une telle suite qui vérifie le critère de Cauchy uniforme, elle converge uniformément, et puisque chaque fonction Fn est continue, la convergence uniforme vers F entraîne que F est continue sur 0. Et donc, Fn converge vers F au sens des fonctions avec la norme sup, ça veut dire tout simplement que F converge dans E, que Fn converge vers F dans E pour cette norme, norme l'infini. Alors maintenant, on donne une fonction, une application linéaire, très simple, de E vers très simple, mais elle va nous donner des conséquences intéressantes, puisqu'on va l'étudier avec une autre norme. L définie par L de F égale F de 0. C'est une forme linéaire de E vers R. La question, c'est montrer qu'elle est continue si on munit E de cette norme, l'infini. Alors, la linéarité est évidente. Évidemment, si vous prenez deux fonctions F et G et un scalaire lambda, je vous rappelle qu'ici, on travaille avec R ici comme le corps où est muni cet espace vectoriel, mais on peut aussi travailler avec E, l'ensemble des fonctions continues de 0, 1 vers C. Alors donc, si vous prenez L de lambda F plus G où F et G sont deux éléments quelconques de E, voilà ce que ça donne, lambda F plus G de 0, et d'après la définition de l'addition de fonctions, c'est donc lambda f de 0 plus g de 0 est égal lambda l de f plus lambda g. Et ceci, donc pour tout lambda et pour tout f et g dans E, ça veut dire la linéarité de cette application L. Alors pour la continuité, étant donné que L est linéaire, il suffit de majorer l de f dans l'espace d'arrivée qui est R. Rappelez-vous que R est aussi un espace vectoriel normé et sa norme, que l'on considère, c'est la valeur absolue. Donc, valeur absolue de F est égale F de 0 en valeur absolue, est inférieure au sup de F. N'est-ce pas? Et donc, nous avons ici, la norme de l'image dans l'espace d'arrivée est inférieure à une constante qui est ici 1 fois la norme de F dans l'espace de départ. Et ceci veut dire que L est continue
de E vers F, comme on l'a vu dans le cours, et norme de L, la norme de l'application linéaire, la forme linéaire, est inférieure à 1. En fait, la norme est égale à 1, puisque nous avons vu que la norme de L, par définition, c'est aussi le sup des images avec la norme d'arrivée, qui est ici la valeur absolue, comme je l'ai rappelé, sur la sphère unité de E. Et parmi ces fonctions, vous pouvez prendre F0, qui est identiquement égal à 1. Alors, son sup est égal à 1, donc c'est un élément de la sphère unité, et son image est égale à 1 précisément. L'image L de F, c'est 1. Alors, valeur absolue de 1, c'est 1. Donc, vous avez, ce sup est atteint, et par conséquent, la norme est égale à L. Je rappelle que ici, ce n'est pas demandé de calculer la norme, c'est juste une précision. Voilà. Alors, ça, c'est pour la deuxième question. Maintenant, nous allons voir la troisième question. Alors, dans la troisième question, on change de norme. Alors, je vous laisse vérifier que c'est bien une norme. Cette norme que je nomme 1, elle est connue sur l'espace E. La norme formée par l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de f de t. Hein, ceci est une norme, vous pouvez le faire comme petit exercice. Ça vient de la linéarité de l'intégrale et puis de la relation valeur absolue de A plus B est inférieure à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Et aussi, si une intégrale d'une fonction continue positive est nulle, alors cette fonction est nulle. Bien. Alors maintenant, on nous demande de montrer que L n'est pas continue si on considère sur E, on change de norme, c'est la même application, donc la linéarité reste toujours la même puisqu'elle ne dépend pas d'une topologie. La linéarité, c'est quelque chose d'algébrique, ne dépend pas de la topologie. Cependant, la continuité, elle dépend de la topologie que vous considérez sur l'espace. Et ici, dans l'espace de départ E, on change de topologie puisqu'on prend la topologie associée à la norme 1, cette norme. Alors, nous avons vu dans le cours que pour des applications linéaires entre espaces vectoriels normés, la continuité équivaut à la continuité en 0. Donc, si on veut montrer qu'elle n'est pas continue, il suffit de montrer qu'elle n'est pas continue en 0. Simplement. Et pour cela, alors, on sait qu'une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés est continue si et seulement si elle est continue en 0. Ici, c'est l'application 0 de E. Attention, 0 de E, c'est l'application nulle qu'on peut parfois noter θ. Par conséquent, pour montrer qu'elle n'est pas continue, il suffit de montrer qu'elle n'est pas continue en cette application nulle. Considérons la suite Fn, définie ainsi. Bon, cette application, vous ne voyez pas grand-chose dans la définition. Mais cette suite de fonctions. Je vais vous faire le graphique de cette fonction. Regardez. Alors. Voilà le graphe de cette suite de fonctions. Voilà le graphe, Fn. C'est un morceau de segment reliant les points 0, 1 et le point 1 sur n, 0. Cette fonction, elle est bien continue, puisque ici, vous avez limite à droite et à gauche de Fn égale 0. Revenons à notre suite. Sa norme 1 est égale à 1 sur 2n. Si la norme 1 de Fn est égale à 1 sur 2n, alors Fn tend vers 0, c'est-à-dire l'application nulle. Pourquoi cette norme est égale à norme de Fn égale à 1 sur 2n? Vous pouvez calculer l'intégrale de 0 à 1 sur n de cette fonction, puis sur
1 sur 1, 1, elle est nulle. Alors, ou bien, vous pouvez tout simplement dire que cette intégrale, l'intégrale, c'est l'aire de delta, qui est un triangle qui a les côtés de longueur 1 sur n et 1, donc ça, son aire, c'est 1 sur 2n. Donc il tend bien vers 0. Je rappelle que vous pouvez calculer l'intégrale de fn par cette formule et vous allez trouver 1 sur 2n. Fn tend vers 0 dans E pour la norme 1, mais l'image de Fn, L de Fn, je me suis trompé ici, et je vais corriger ça. Voilà, j'avais écrit Ln de F, c'est L de Fn. On peut faire des erreurs en écrivant la tech et la solution. Ln de Fn est égal à 1. Vous voyez ici que l'image en 0, c'est 1. Fn tend vers 0 dans E et L de Fn ne tombe pas vers 0. Ça veut dire que la forme linéaire, elle, n'est pas continue. Alors, dernière question. Que peut-on conclure? Alors, on peut conclure beaucoup de choses. En particulier, la première chose à conclure, c'est que on change de norme, on n'a plus la continuité pour la norme 1. Ça veut dire que les topologies que définissent les normes l'infini et norme 1 ne sont pas les mêmes. Et donc, elles ne sont pas équivalentes. Car autrement, si elle était équivalente, on aurait la même topologie sur E pour les deux normes. Et elle serait continue aussi en munissant E de la norme 1. Ça, c'est la première conclusion. Et puisque il existe deux normes dans E qui ne sont pas équivalentes, E est de dimension infinie. Ça, c'est la deuxième conclusion. Troisième conclusion, et là, nous devons attendre le chapitre 4 pour pouvoir utiliser un argument qui est conséquence, un corollaire du théorème d'isomorphisme de Banach. E, norme 1, n'est pas un espace de Banach. Alors, je vous dis tout simplement, mais je ne détaille pas trop, en attendant les chapitres 4, ces deux normes sont comparables. C'est-à-dire, il y a une norme qui est supérieure à l'autre. Alors, je veux dire, par exemple, vous avez norme 1 de F est inférieure à norme F l'infini. Mais elles ne sont pas équivalentes. Voilà donc les trois conclusions. Vous pouvez retenir dès maintenant que E, muni de la norme 1, n'est pas un espace de Banach. Donc, voilà la solution pour cet exercice. Je vous remercie. Enfin, nous avons donné la solution de cet exercice que vous voyez sur l'écran. Alors aujourd'hui, je vais passer à un autre thème qui est les espaces LP des suites et les normes que l'on peut définir sur de tels espaces, comme exemple l'espace L1 des suites X1 de nombre complexe absolument convergente. D'abord, un petit rappel du cours. Pour un P dans l'intervalle 1 plus l'infini, 1 compris plus l'infini non compris, l'espace LP des suites complexes, c'est l'espace des suites telles que cette somme converge. La somme de modules de XK à la puissance P. Je rappelle que ceci, ce sont des espaces vectoriels sur C. Quand on considère un espace vectoriel sur R, on le précise. On peut définir sur LP cette norme, qui est la somme de cette série, mais à la puissance 1 sur P. L'espace LP avec cette norme indice P est un espace de Banach pour tout P appartenant à 1 plus l'infini, intervalle 1 compris. On distinguera en particulier les espaces L1, qui est notre sujet aujourd'hui, et l'espace L2, qui est un espace de Hilbert, en plus d'être un espace de Banach pour sa norme 2, cette norme est issue d'un produit scalaire, comme nous avons vu dans le chapitre 2, et c'est un espace de Hilbert. Alors, il y a un espace pour
P égale plus l'infini, c'est l'espace, l'infini des suites complexes bornées. Et sur cet espace vectoriel, sur C, on définit la norme, l'infini d'un élément, de L, l'infini, qui est le sup des modules des éléments de la suite, lorsque I parcourt un étoile. Pour cette norme, L, l'infini, est aussi un espace de Banach. Alors, il y a un espace qui joue un rôle très important, c'est l'espace C0, 0, c'est comme ça qu'il est noté, des suites complexes ayant un nombre fini de termes non nuls. Ça veut dire que pour chaque élément de C0, 0, il existe un entier qui dépend que de cet élément, à partir duquel tous les éléments de la suite sont nuls. Et on peut voir facilement que l'on a, cet espace est inclus dans MP, puisque la somme sigma de xk, la puissance p, lorsque vous prenez un nombre fini de termes, elle est convergente. Et LP, puisque cette série est convergente, son terme général tend vers 0, et donc la suite xk à la puissance p et la suite xk sont bornées. Donc LP est bien inclus dans LFI. Alors la question, voici la norme dans L1, et puis puisque L1, d'après cette inégalité, L1 est inclus dans L'infini, donc il peut hériter de la norme induite, la norme L, la norme, cette norme-là, norme L'infini. Donc il y a deux normes sur L1. Sa norme usuelle pour laquelle il est un espace de Banach et cette norme induite par l'espace L'infini qui contient L1. Alors la question montrait que ces deux normes ne sont pas équivalentes dans L. Solution. Supposons, alors d'abord, équivalence, ça veut dire qu'on a une inégalité de ce type entre x1 et l'infini, et puis, dans l'autre sens, norme x l'infini est inférieure à une autre constante, disons grand K, que multiplie norme de x1. Deux inégalités. Alors, on suppose qu'il y a cette inégalité, parce que si elles sont équivalentes, on a les deux. Donc, celle-ci est vraie si elles sont équivalentes. Bon, supposons que cette inégalité est vraie. Alors, voilà ce qu'on peut déduire. En prenant un élément x particulier, que je note xn parce qu'il dépend de n, en fait, cette suite-là, c'est un élément de L1 qui a n termes égaux à 1 et après 0, 0. En fait, c'est un élément de C0, 0 aussi. C'est pourquoi cet espace C0, 0 est important, parce qu'on fabrique beaucoup d'exemples et de contre-exemples à partir de l'espace C0, 0. Donc cet élément xn est dans C0, 0 qui est dans L1. Et sa norme, c'est n, petit n. Alors si cette inégalité est vraie, il sera inférieur à C que multiplie la norme de ce xn. Quelle est sa norme? C'est le sup de ces termes, c'est 1. Donc on aura n inférieur à c pour toute valeur n de n étoiles, ce qui est évidemment absurde. Et en conclusion, donc, ces deux normes ne sont pas équivalentes pour n. Bien. Alors, je ne vais pas avancer un petit peu dans le cours, mais on va déduire d'une conséquence du théorème d'isomorphisme de Banach que L1 avec cette norme l'infini n'est pas un Banach. Alors, on sait que L1 avec la norme 1 est un Banach. Comment? Eh bien, on va parler de la notion de comparable. En fait, cette inégalité existe, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, on a bien x l'infini est inférieur à une constante fois norme 1. En fait, la constante 1. Mais on n'a pas l'autre. Alors, si on a deux normes comparables dans un espace qui est de Banach pour les deux, alors forcément, elles sont équivalentes. Ça, on va le voir plus loin. Mais regardez ce qui va se passer dans la deuxième question. Deuxième question, montrer que L1, l'infini, justement, avec cette norme, l'infini n'est pas fermé dans L'infini. Je prends cette suite de L1. Toujours, je prends des suites de C0, 0. Hein?
Dis-moi, dans cet exercice, c'est un élément de C0, ça. Et ce xn est donc dans L1. Et il converge dans L infini, c'est-à-dire avec la norme infinie, vers cet élément x qui est la suite 1 sur k, k appartenant à une étoile. Pourquoi? Parce que quand vous faites la différence entre x moins xn, ils ont les mêmes termes jusqu'à l'ordre n. Donc leur différence sera la suite qui commencera par 0, 0, 1 fois. Et après, il n'y a plus que les 1 sur k. Par conséquent, cette norme qui est le sup, va être le sup des. J'ai dit que cette suite commence par 0, 0, 1 fois, puis après, il y aura le 1 sur k. Donc, c'est le sup de 1 sur k, k supérieur à n plus 1, et ça tend vers c'est 1 sur n plus 1, évidemment, parce que les 1 sur k sont tous plus petits que 1 sur n plus 1, si on considère k supérieur à n plus 1, et donc ça tend vers 0. Par conséquent, la suite xn, qui est une suite de L1, converge pour la norme l'infini, mais sa limite n'appartient pas à L1, puisque cette suite, comme vous le savez, n'est pas absolument convergente. Ainsi, cette suite dans L1 converge pour cette norme, mais sa limite sort de l'espace L1. Si cet espace était un Banach, il serait complet et donc il contiendrait les limites qui seraient fermées. Alors voilà comment on voit d'une autre façon que L1, norme infinie, n'est pas un espace de Banach. Bon, montrez maintenant que C00 est dense dans L1, norme 1, mais n'est pas dense dans L infini, norme infini. Alors, cette histoire de densité, elle est valable pour C00 dans tous les espaces LP, norme P. Mais il n'est pas dense dans L infini, norme infini. Troisième question. Alors, commençons par la première partie de la question. C00 est dense dans L1, norme. Je prends un élément x de L1 et je vais montrer qu'il est une limite d'une suite d'éléments de C00. Si je prends l'élément x de L1, alors la suite numérique, la série numérique sigma des modules de xk converge. Et comme elle converge, son reste d'ordre n tend vers 0. Si le reste d'ordre n, il tend vers 0. Alors, exprimons ça avec la définition des limites d'une suite. Ça veut dire que pour tout epsilon, il existe un n0 appartenant à n étoile, à partir duquel, pour tout n, rn, je peux ne pas mettre le module puisque rn est positif, mais en général, quand on a une suite qui tend vers 0, on doit mettre le module. Donc, ceci inférieur à epsilon. Alors, je prends la suite xn justement définie comme ça. Toujours un élément de C00. X1, X2, Xn. En fait, c'est quoi ce x? C'est l'élément x auquel j'enlève, je ne prends que les premiers termes, et après je mets des zéros. Alors la relation 2, qu'est-ce qu'elle signifie? Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les sommes des xk à partir de n plus 1. Ça veut dire que c'est la somme des éléments de la suite x moins xn, puisque x et xn coïncident sur les éléments, les premiers éléments, et après xn donne des zéros et x donne les éléments 1 sur k. Donc, cette somme, c'est bien la norme x moins xn, norme de x moins xn, indice 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que xn, que xn tend vers x. Alors, on en déduit que xn tend, la suite d'éléments de C00 converge vers x. Ainsi, pour tout élément x, cet élément x est limite, je peux dire, de cet élément xn qui, en fait, si n tend vers l'infini, vous voyez que ces xn vont balayer le x tout entier. Mais on le démontre d'une façon claire et nette que cette suite xn tend vers x. Et ainsi, nous avons montré que x appartient à l'adhérence de C00. Évidemment, C00 est inclus dans L1. Évidemment, son adhérence est inclus dans L1. Donc, on a l'égalité C00 bar, c'est-à-dire l'adhérence est égale à L1. Alors, il y a des remarques que je donne ici.
Par exemple, donc, on peut démontrer que c'est 0, 0 et donc dans tout espace LP non P parce que il suffit de, ici de mettre norme de XP et faire la même chose. Donc il n'y a pas de problème que ça ne marche pas pour c'est dense dans LP non P. C'est 0, 0 est aussi dense dans LP norme l'infini avec cette norme là parce que ça vient de quoi? Cette série converge, donc le terme tend vers 0. Et donc on a tend vers 0, ça veut dire que les xk sont inférieurs à epsilon à partir du rang n0, donc ça veut dire que le sub de xk est inférieur à epsilon pour n supérieur à n0, et c'est bien la norme de x moins xn. Oui, parce que xn, c'est x moins xn, c'est les termes xn plus 1, xn plus 2, etc. Donc, vous avez bien ici le sup norme de x moins xn, c'est le sup des xk k supérieur ou égal à n plus 1. Donc, c'est 0, 0 est dense aussi dans LP norme l'infini. Alors, il y a une dernière... Alors, la deuxième partie dans cet exercice, c'est C00 n'est pas dense dans L infini, norme l'infini. Alors, pour cela, je prends la suite U, la suite constante. Je vais montrer que cet élément n'est pas dans l'adhérence de C00. En effet, la distance de U à n'importe quel X de C00, elle est au moins égale à 1. Alors, pour bien voir ceci clairement, regardons ça. Prenez U, voilà la suite. Tous les termes sont égaux à 1. Un élément de C00 est de cette forme. X1, X2, Xn, attention, ce n'est pas toujours le même n. Pour chaque élément, il s'arrête à un entier donné. Quand vous faites la différence U moins Xn, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 1 moins Xn, 1 moins X2 jusqu'à 1 moins Xn, et après, quoi? 1, 1, 1. Donc si vous faites la norme, l'infini, ce sera le sup des modules de ces éléments. Et parmi ces éléments, il y a 1. Donc, le sup sera supérieur à 1. Voilà ce que on vient de dire, que la norme de U moins X l'infini, elle est au moins égale à 1. Je ne dis pas qu'elle est égale à 1. Hein? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si, par exemple, X1 égale à moins 3, qu'est-ce qu'on aura ici? 4. Et le sup sera supérieur à 4. Mais c'est toujours supérieur à 1. Alors, si c'est supérieur à 1, ça veut dire qu'on ne peut pas approcher à une distance inférieure à 1 des éléments de C0 de U. Ça veut dire que la boule, par exemple, prenez un demi qui est bien plus petit que 1. Alors, la boule BU, U un demi, ne contiendra aucun élément de C0, 0. Donc, et ça, c'est bien... et que U n'appartient pas à l'adhérence de C00. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que vous avez profité de ces notions. Et puis je vous signale que je continuerai à faire les exercices de la série numéro 1, donc 1 par 1. Alors dans la prochaine séance, nous allons corriger cet exercice que vous voyez ici, l'espace des fonctions continues, munies de la norme infinie, où on considère des formes linéaires particulières, et on étudiera donc la compacité de cet ensemble K, et avant ça, nous allons montrer qu'il est fermé dans l'espace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.